Moi, je dis dans la campagne, je ne suis pas d'accord pour venir montrer mon projet qui fait sur WhatsApp. Et mon réalité là, je viens visiter un projet privé qui est un jeune entrepreneur qui dérapé dans pleine du cul de sac, plantation papa avec poivron. Et puis pendant que je campe, mon ami dit, président, président, nous avons pompé la campagne depuis plus de un an et demi. Bon, là, je dis, dit monsieur peut-être qu'il n'est pas capable. Si monsieur a balé de pompe, monsieur vient joindre moi. Je dis monsieur, ça qui passe. Monsieur dit que pompe ça, pompe dans la tremblée 12 campagne. Je dis est-ce que c'est sous route là? Oui, c'est sous route là. Je dis sécurité. Allez, monsieur, vous pouvez regarder ça le dire. Il est venu, il regarde. Constat là, même. Son pompe, pratiquement, pour dimension pompe, moi, là, bon, c'est domaine pas mal, plus ou moins. Son pompe qui t'a supposé ou en capacité qui pose plusieurs centaines d'hectares de terre. Mais, je vais nous regarder. Moteur électrique là-dedans. Nous avons une ligne qui est alimentée. Pompe là, là, ça veut dire tout système électrique là correct. Mais moi, pompe la terre, je vais me demander exactement ce qui s'est passé. Je dis que c'est un bille. C'est ça en anglais, un béring qui n'est pas bon. Alors, comment vous nous comprendre? Pour un pays, on pompe cap marché que t'as au moins 10 000 personnes possibilité pour vivre et puis pour un bille ou camper ou venir démonter et pour qu'il élever un an et demi à terre. Bah, je comprends ça. Comme moi-même, je comprends ni, je me dis que je ne fais partie du problème, c'est de solution, je fais partie. Je pensais que le ministre de l'Agriculture a regardé la l'attendre. Je dis en samedi, je me dis mais lundi matin, Bering, ça s'est pas rien en Haïti. Côté lié sur la terre parce que je ne suis pas dans le ciel. Il y a va chercher un jour pour commander dans les 24 heures qui viennent. Je vais tourner là jeudi matin, je viens de pomper la machine.